Regarde-moi tous ces abricots que personne ramasse. Ça me fait mal au cœur. Pour un peu, je descendrai dans ce petit jardin. En plus, j'ai envie d'abricots. Bon, je passe quand? J'en ai mal aux amygdales. C'est rassurant, j'ai pas de casque à moi. Pareil, c'est les gorges les plus étroites de l'Europe. Ah bon? Spécial ruisseau. Là-bas, il mange tranquille sa pomme sur son toit. Pourquoi j'arrive pas à avoir ça, moi, à Paris? Faut pas croire, c'est pas un chemin, là où je suis. J'ai grimpé ça comme une biquette en folie. Ah, ça vaut le coup d'œil. Alors, ma tante est juste là. Bon, évidemment, on la voit pas. Elle est cachée. On verra quand je serai en bas. C'est sous JA. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais y rester plusieurs jours. Je vais trop me plaire ici. Et alors la tente? Je suis... C'est une tente rouge. Alors, on va finir par la voir. Voilà, là-bas tout au fond. Je dois avoir le parasol par là. Prêt à y retourner. Bon allez, je vous laisse, je vais prendre un bain moi. C'est le bateau qui vient de me déposer à l'Outreau. Bon, ben maintenant je vous laisse, hein. J'ai 15 km de marche à pied à faire. Le chemin n'est plus indiqué. Vu que je le vois en bas, et qu'après il remonte par là, eh ben j'ai pris pas mal de retard. Attention, coup de projecteur, ça va trop vite. Je suis pas top modèle, hein. Ah, mate le look. C'est de pire en pire. La végétation est morte et les brebis crèvent aussi. À quand le tour? Aïe aïe, mon bateau! Où il est? Là! Bon, je rigole, hein? Parce qu'une fois arrivé à destination, il reste 2 heures avant que je reparte. Mais bon, j'aimerais bien aller à la plage quand même. Un sorbet au citron! Il paraît que les efforts sont toujours récompensés. Je confirme. J'en rêvais, eh ben ça y est, c'est fait, je l'ai mon sorbet. Bon, les gones, moi je vous conseille celui-là. Voilà, alors le nom c'est ça. Et vous allez voir le truc, moi j'aime bien. Donc, chance de l'étage, celui de Gavilla. Voilà. Et vous avez vu sur la plage. Bon alors, vous venez quand à Sougia? On y est bien. C'est Woodstock. Regarde pourquoi. Alors, ça, c'est le chemin de la soif. Où j'avais cru crever. Mais que je fais cette fois en bateau, dans l'autre sens. Parce que ma voiture m'attend depuis 2 jours plus loin. Cette fois, on les voit là-bas, les neiges au fond. J'ai pas rêvé, hein. Par 40 dehors, enfin 40, j'exagère un peu.
dure faire que 45. Voilà. Sinon, c'est Frago Castello, le nom du château. Là, voilà la plage en question. Elle est étonnante cette plage, non? On se croirait sur Mars. S'il y avait la mer, ça ressemblerait à ça. Je vais monter dans la tour. Je vais sonner les cloches. À mon avis, j'ai pas le droit. Alors, dites-moi quel hôtel peut offrir une vue comme ça? Gratuitement, en plus. C'est marrant ces petits machins. Je sais pas comment ça tient, hein, y a pas de colle. Hein. J'ai touché, c'est vraiment en équilibre. Quel pacha ! Eh oh ! Tu me regardes ? Ça gratte ? C'est 2004 hein, là-haut quand même. Sinon ici c'est Matala. Et ces falaises. Regarde-moi cette île. Les graviers, c'est pas des graviers, c'est des coquillages. Plein de petits coquillages. Ici, on est toujours en Crète, et c'est même la mer de Libye. Et alors aujourd'hui, elle est particulièrement démontée. Le bateau de retour de Crissy, tout le monde était penché aux fenêtres à dégueuler. Ça me faisait rire. On arrive. Ah, je suis pas accosté. On va y arriver. Attention. Ça va. Bah non. On s'est encore raté. Réglez pas la télé. Les couleurs sont normales. Les galets sont verts. J'ai jamais vu ça. C'est comique. Je vais encore aller m'emmancher dans un truc. Perdu dans une espèce de mer de sable. Et il y avait plein de cadavres de bêtes. J'ai jamais vu une passerelle aussi haut que ça. Tu parles d'un truc, on est obligé de sauter. Ah, c'est bien fait. Ça, c'est marrant. Tiens, pour Brissou. Il aimerait bien. Et le voilà, le Saint-Trope du coin. Ville d'Elwenda et sa baie. Ça doit être un vrai jeu de puzzle. On voit les agrafes. Reconstituer ça, tu parles. Et une dernière de Knossos. Après, c'est l'avion.